Oh merde, ça filme. Yo tout le monde, ciao les gars, si, what's up guys? Bon alors, comment que c'est? Moi ça va, écoute, impeccable. Bon désolé, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Hein? Bon, bah, c'est pas comme si j'ai des obligations. Mais bon, j'essaie de faire des vidéos une fois par semaine. Ce serait bien. Bon, allez. Aujourd'hui, ça va être full Razorock. Yes, yes, yes. Avec le Dead Sea. Tac. Et le 37, chez Razorock, donc une copie du 37C de chez Mercure, à part le manche il est bien plus long, mais la tête est exactement pareille. Et je vais prendre en brosse le Monster, c'est quoi comme touffe, je sais plus, je crois que c'est du 27, hein. Amplisoft bien sûr, tac, allez. Je me rince si je vous présente tout ça. A tout de suite. Bon, voilà. Alors, le savon, il est... Je te focus. Il est assez mou. Hein. Et c'est une crème. Un peu, ouais. On pourrait dire ça. Clac. Ah, cette fragrance. C'est notre Michael Perrault qui nous a fait ça. Donc, dedans, en compo, il y a de l'huile de coco. Il y a de l'aloe vera, d'anoline, il y a du myristic acide, donc ça sert à lubrifier, hein. Et il y a le sel de la mer morte dedans. Bon, c'est pas salé, hein, du tout, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, clac clac, on va charger, hein, directement. Oh putain, je fous partout, quoi. Ça fait peut-être 2-3 fois que je... Bref, ça va faire la troisième fois que je... Non, ben ça va faire la deuxième fois que j'utilise. Tant pour moi. Et ben franchement... Il est vraiment pas mal. Hein. J'ai pas trop chargé. Putain, j'ai chargé n'importe quand. La première fois, j'avais pris directement le savon que j'avais mis dans le... Qu'on appelle ça dans le... Ah ouais, on a un paquet, sa mère. Directement dans le bol. Ah, j'avoue, là, je l'ai chargé, mais en gros, ça a pris plein de morceaux de savon. J'aurais dû le charger. J'aurais dû le monter dans le bol. Ah ouais, là, je me retrouve avec patate de mousse. J'ai quasiment pas chargé, mais en même temps j'aurais dû mettre un filet d'eau dessus. Ouais, ça sert pas que à ramollir en fait l'eau. Hein. Quand vous mettez une petite pellicule d'eau, ça sert aussi à ce que le savon, enfin la brosse, glisse bien sur le savon. Je vais rajouter de l'eau. Alors, comme senteur, il y a du citron, du romarin, tac tac tac, ils disent quoi, du cannabis, safran et du bois de santal. Alors, pour moi, on sent un petit peu le citron tout de suite, mais ce qui sent le plus, ça va être le romarin en cœur, et peut-être aller une heure après. En fond, vous allez bien sentir, le santal. Après le cannabis, c'est une fragrance façon qui est un peu, enfin le chanvre, ça a déjà plein de terpènes. Soit ça sent des agrumes, soit ça va sentir du pain ou des épices, tu vois. Donc c'est un peu un truc à deux balles. Ça. Donc ouais, pour moi, c'est surtout, bon, tout de suite un peu le citron, mais surtout le romarin. Et comment? Et puis après le santal, quoi. Mais ça sera bien après le rasage. Hein. Voilà. Donc, je dirais qu'il ferait partie
des aromatiques avec des facettes un peu herbacées, mais je trouve quand même une note marine. Hein. Une note marine, et voilà. Allez, tac. Allez, le petit slant. Il est efficace, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. En ce moment, je l'utilise là. Et mort de 3 jours, t'as vu ça ou pas? Bon, et tiens, dédicace à Jean-Michel, je teste des lames. Et où? Tout focus, voilà. Nalada, Ladas. Dédicace à lui. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Alors bon. C'est un semi-peigne fermé, peigne ouvert. Je vais essayer de vous montrer la caméra. S'il y arrive, Jean-Louis, et lui il cadre mes doigts. Voilà. Vous voyez, il est. En même temps, je suis peut-être. Tu vois, il fait à moitié. Moitié, comme on appelle ça, moitié peigne fermée et moitié ouvert. Enfin, c'est pas un côté peigne ouvert et un côté peigne fermée, c'est. Il y a le mélange des deux. T'as vu, au fait, eh? Je me suis coupé les guidons. Comme je disais l'autre jour, sans guidon, t'es comme un con. Bah, tiens, je suis bien un con. Bon, il est un petit peu agressif quand même. Ça passe, hein, c'est pas non plus c'est pas non plus fou, mais il est bien efficace. La coupe est bien nette. Après, ça dépend aussi des lames que vous mettez. Hein. Je vais pas dire, mais ouais, bah là avec les Nadas, ça va bien. Ça va bien et même ça se sent. Fait penser un peu à la coupe du Yaki. Le double open comble, celui que je vous avais présenté. Le poil repousse bien taillé, enfin bien fin quoi. J'ai pas ce résultat là avec avec tous mes rasoirs. Oh. Là, j'ai checké vite fait là sur le net et il me semble qu'ils auront fait des nouvelles versions, enfin du moins avec un nouveau manche. Celui-là, ça fait un petit moment, je l'ai, ça doit faire peut-être 3-4 ans, ouais, 3 ans. Le temps il passe vite les gars et mesdames. Ouais. C'est sans la fin, ça. C'est sans le sapin, comme il dit l'autre. Et ben, ce savon, franchement, il a une superbe glisse. Il a une superbe glisse et il nourrit bien. Il nourrit bien. C'est vraiment franchement pas mal là, le coup du sel là, de la mer morte. D'ailleurs ça me rappelle, j'avais été sur un salon, je sais plus lequel, hein, il y avait des cosmétiques, et il y en avait pas mal où ils mettaient la vertu, comment on appelle ça, ils mettaient en avant les vertus de du sel de la mer morte quoi. Et du coup, depuis, j'ai toujours voulu le tester celui-là. D'ailleurs, je l'ai pris d'occasion sur le forum rasage traditionnel à Lionel. Salut Lionel, merci, c'était cool. Franchement, sympa, bien emballé. Bon, allez hop. T'as vu la glisse un peu? J'ai rajouté un petit peu d'eau là, ça. Impeccable de frein, comme il dirait l'autre. Plaque, c'est pas mal. Et bah, la première passe déjà, mon pote. Nickel. Allez. Tac.
Je sais même plus si je vous ai dit la compo. C'est une compo végétale. Hein. L'huile de coco, l'aloe vera, l'anoline. Ok, et ils ont rajouté le sel de mer, de la mer morte. Le méristique acide, c'est comme ça qu'on dit, bon, je sais plus. Très bien pour la glisse. Ouais, et ouais. Là, le citron, en fait, il est présent, mais vraiment avec le mélange de romarin. On ne va pas le sentir séparément, en fait. Il va vraiment être mélangé à le romarin, quoi. À une touche aromatique et un peu herbacée du cannabis. Et du coup, c'est une fragrance. Elle est légère. Bon, c'est pas ce qui est le plus léger non plus, mais ça tient quand même. Mais c'est une fragrance où, franchement, pour l'été, c'est top. C'est pas mentholé, mais c'est une fragrance qui est fraîche, quoi. Qui est rafraîchissante, quoi. Je crois qu'ils vont faire une version au poivre de la mer vivante ou quoi? Je sais pas, hein. T'imagines? Putain, comment je suis pas drôle parfois. N'hésitez pas, hein, ceux qui ont... Quand je teste des... Bah là tu vois là je teste des. Enfin je teste. Ouais je teste ouais. Je teste le. Enfin du moins je fais la revue. Bah de certains. Bah tu vois là le savon d'Etsy, qu'est-ce que vous en pensez vous? Ce rasoir, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir. Voir un peu qu'il y ait du monde qui suit. Et voilà quoi. On peut dire aussi que c'est pourri. Voilà. Ouais, faut être franc. Clac. D'ailleurs, j'ai toujours pas préparé mes vidéos salées là. Bah, si, c'est salé. Ouais, putain, ouais, enfin bref. Non, ouais, salé. Des produits qui m'ont déçu, quoi. Ça va être marrant. Bon allez, je vais faire des retouches et on se voit pour la S tout de suite. Tac, bon, je vais aller chercher la S. Hein, toujours comme ça. Tac, tac. Dedans, il y a du menthol un peu. Ouais. Allez. Bah en tout cas, pas mal. Hein. Franchement, bon rasage. Franchement, bon rasage. Allez, clac. On y va. Hop, bonne rasade. Quand je suis tombé sur une petite bouteille, une bouteille là qui est pas très très stable là au niveau de la base, tient pas les masses. Ah, ouais, c'est un petit peu mentholé. C'est pas non plus comme du pro rasé ouvert ou quoi, mais oh là 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 là, manadja misère. Eh ben, pas une irritation ni rien, franchement. La peau, elle est bien nourrie. Je suis rasé correctement de près. Il y a juste dans le cou, la base. Je vais pas à rebrousse-poil, là. Pas toujours. Mais... Ah,
franchement, je suis bien content de celui-là. Merci Lionel de l'avoir vendu. Voilà, voilà. Bon, sur ce, à bientôt.